She was cool, but it's just, it's the culture in Hollywood that you just, everyone does this. That like she's a queen and we're all below. Even though she's totally cool. So I love the beginning of Buffy where my job was to ruin her day. My job was to just give her a migraine headache. That was fun. And then, after a few years, Spike falls in love with Buffy, and I'm just like, oh, Buffy, would you like my coat, Buffy? Oh, may I give you a foot rub, Buffy? And I didn't get to do that anymore. So that was less fun. But then I got on Angel. And my job again was to ruin his day. And I was in heaven again. So, the beginning of Buffy and Angel. Il dit alors, en fait, il y a un gros problème à Hollywood, c'est la culture de mettre sur un piédestal le personnage principal. Cette dernière, ok, merci. C'est de mettre le personnage principal sur un piédestal et bah, c'est la reine et c'est tout ce que tu veux. C'est oh, qu'est-ce que tu veux, Buffy, Sarah, oh, je te donne mon manteau, Sarah. Oh, ceci. Il dit attention, hein, Sarah, elle, super, hyper sympa. C'est vraiment la culture hollywoodienne où chacun sa place et chacun, en gros, t'as le roi, la reine et après t'as les sous-fifres, tous au même niveau. Il dit, et quand je suis arrivé dans Buffy, début de la série, et donc tout le monde, oh Sarah, il dit, et moi, j'étais là pour ruiner, pour lui donner une migraine, pas possible, en fait, pour massacrer tous les gens qui sont, et ben lui, son rôle, c'était de faire ça. Il dit, et après, il tombe amoureux de Buffy, et c'est terminé, et moi, je me retrouve à, est-ce que je peux te donner mon manteau? Est-ce que je peux te faire un massage des pieds? Est-ce que... Il dit, bon, et là-dessus, je suis passé à Angel. Et là, Angel, j'ai dû recommencer à lui pourrir la vie. I think for me, I enjoyed Angel more because more me. Where I got to explore Cordelia in a deeper way, more fleshed out, more empowering. I got to fight. You know, I had to ask Joss during the episode Graduation, season 3 finale, can I please stick a vampire? I mean, I've been on the Hellmouth now for a while. I think she knows how to take care of herself. And he agreed, finally, right? So when I moved to Angel, I felt there were all the things that I loved about being bad, all the sassiness and all of that. But on top of that, I got to fight. On top of that, I got to be, you know, in love and to be brainier and also exercise my deep-seated desire to be on a sitcom. I got to do that on Angel. So, you know, for me, Angel. Pour Charisma, c'est Angel. Angel, parce qu'elle dit, bah déjà, j'y suis beaucoup plus. Mais c'est surtout tout ce que ça lui a permis d'explorer. Déjà, elle a pu aller plus loin dans la création et la profondeur de Cordelia, d'aller chercher beaucoup plus qu'elle était, et de pouvoir, bah, de pouvoir faire des scènes de combat, de pouvoir tomber amoureuse, de pouvoir... elle aussi, personnellement, de se dire si vraiment elle avait envie d'être dans une sitcom et que, bah, oui, en fait, elle aimait ça. Et elle dit, mais vous voyez, sur le dernier épisode de la saison 3 de Buffy, elle dit, je suis allée voir Joss en lui disant, s'il te plaît, est-ce que je peux, moi, tuer un vampire? Elle dit, ça fait 3 ans que je suis sur la bouche de l'enfer. Elle dit, il y a un moment, je sais me débrouiller toute seule quand même. Donc, là, ils ont dit, bon, ok. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir le vampire, où elle fait ça à la fin de la saison 3. Mais donc, pour elle, clairement, vu tout ce qu'elle a pu explorer en plus, c'est Angel. Thank you. Chosen another character to play in Buffy, except Spike or except Cordelia. Which one would you have picked? Good question. Spike. So I loved
playing Cordelia because she started here and ended there. She changed so much. But Spike also is very fun and got to bite people, so that would be fun also. If I had to pick one other character, I would play Spike. And we're most alike, yeah. I feel like. You'd be a good Spike. Thank you. Actually, yeah. I'm glad you did not audition for Spike. We might have gotten it, and I would be picking apples in California somewhere. Clairement, pour James, c'est Spike. Y a pas, on cherche pas, il change pas, il reste Spike. Et Charisma disait, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir fait Cordelia, parce que Cordelia, elle commence ici et elle finit là. Elle dit, et elle a un tel, y a un tel changement dans son personnage que c'est un plaisir à interpréter. Elle dit, mais Spike, clairement, Spike, c'est un super personnage. Elle disait, mais d'ailleurs, en plus, ils sont assez similaires. Les deux dans leur tempérament et dans leur évolution. Et là, James, il dit, n'empêche, tu ferais un super Spike. Elle dit, ah, tu crois? Si. Il dit, ouais, non, vraiment, d'ailleurs, je suis content que t'aies pas auditionné pour Spike, parce que sinon, moi, je suis en train de ramasser des pommes en Californie. I could not say, oh, I wish I played Xander. Oh, it's too bad I couldn't have played Giles. Come on, man. Spike was so much fun. So much fun. So was Cordelia. I'm very grateful that I got to play who I did. Like, you wouldn't have wanted to play Willow. Oh, come on, man. Cordelia is a better role. It's just a better role. It just is. Very fun. Very fun role. James C.D., sérieusement. It's good to be bad. It is. It's fun. Je me disais, sérieusement, vous m'imaginez dire j'aurais adoré jouer Alex, j'aurais adoré jouer Jax, et dit franchement les gars, Spike quoi, il n'y a pas... Et Charisma disait, mais c'est pareil pour moi, Cordelia c'est vachement plus fun, parce que James lui dit, tu dois dire j'aurais adoré jouer Willow. Ah non. Et les deux en même temps ils font, c'est trop bien d'être un méchant quoi, de jouer un bon vilain. If the role you had, the character that you played, so Cordelia and Spike, if it brought something to your personal life, like if you changed something in your mind or... Yes, I feel I don't know where Cordelia stops and Charisma begins after playing her for 10 years, so... And I would hope to think that when she was nicer, that there were elements from my spirit coming forward, but equally, I had to find the bitch within initially. So I feel that Cordelia and Charisma are kind of, it's weird to talk about yourself in the third person, but I think it's we are one of the same, and I think lastly, Cordelia taught me to say no without apology and to speak up when I see something that I don't agree with or doesn't align with what is right. Pour Charisma, elle dit en fait, par moments c'était difficile de savoir quand est-ce que Cordelia s'arrêtait et Charisma commençait, parce que quand tu joues le même rôle pendant 10 ans, c'est compliqué de trouver où est la limite. Elle dit, après j'espère que quand on voit l'évolution de Cordelia qui devient plus gentille, j'espère que c'est une part de moi qui a amené ça. Elle dit, après ce qui était aussi compliqué, c'est qu'au début il a fallu que j'aille trouver la garce qui était au fond pour pouvoir l'interpréter. Et elle dit, alors ça fait bizarre de parler à la troisième personne entre Cordelia et Charisma. Elle dit, mais je dirais que ce que Cordelia m'a amené, c'est que maintenant, de savoir dire non, et d'avoir dire non sans avoir à m'excuser, sans avoir, de pouvoir dire que je suis pas d'accord,
et de le faire, mais de le faire bien, en étant bien avec soi, en fait, sans culpabilité. And how about you? Similar. Yeah. When I started Buffy as a person, I was wanting to be a happy person, but I had a lot of anger down deep inside. And Spike let me put all of the anger out and just get it out and express it. And at the end, I'm just happy. And now it's more real, you know? Yeah, I found a way to get all that darkness out of me, I guess. Alors il a commencé par pareil. Et après il dit non, Spike. Il dit quand j'ai commencé Buffy, j'étais quelqu'un qui avait envie d'être heureux. Alors qu'au fond, à l'intérieur, j'avais vraiment de la rage, de la colère. Et Spike m'a permis de pouvoir la lâcher, de la libérer et de sortir tout ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux, mais vrai.